C'est officiel, Jalil Lesper et Laetitia Hallyday ont déménagé. Après avoir vendu les meubles qui appartenaient à son défunt mari, la maman de Joy et de Jade a rendu les clés de la demeure qu'elle occupait avec Johnny Hallyday. Elle et son nouvel amoureux sont désormais les propriétaires d'une magnifique villa à Pacific Palisades, un quartier cossu de Los Angeles. Un quartier que la grande blonde connaît parfaitement puisqu'elle y a vécu avec le papa de Laura et David. Comme le dévoile Gala, dans son numéro qui sort dans les kiosques jeudi 6 mai, Laetitia Hallyday et Jalil Lesper ont officiellement posé leurs valises le 1er mai. Le couple a fait appel à quelques copains pour porter les cartons. Le déménagement s'est fait depuis la villa de Brentwood qu'ils avaient louée en mars dernier. Avant de dénicher ces nouveaux pénates, Laetitia Hallyday et Jalil Lesper ont écumé pas mal de visites, environ une dizaine. Ils ont finalement jeté leur dévolu sur une maison d'environ 600 mètres carrés. Elle a coûté 6,75 millions de dollars, soit 5,6 millions d'euros. La villa se compose de 5 chambres et 7 salles de bain, une terrasse avec vue sur l'océan, une salle de sport, une salle de projection, une cave à vin, un jardin intérieur, une piscine et un spa. De quoi recevoir leurs amis dans un confort relatif. Si Laetitia Hallyday devrait se sentir à son aise dans cette nouvelle demeure, elle aura néanmoins moins de place que dans celle qu'elle occupait avec son défunt mari. Celle-ci, construite par le couple en 2010, faisait plus de 1000 mètres carrés et avait coûté près du double. Le temps n'est plus au bling-bling pour la grande copine de Marie Poniatowski. La maman de Joy et Jade Hallyday ne s'est pas encore débarrassée des dettes accumulées par Johnny Hallyday. Une facture globale estimée à 34 millions d'euros que l'administration fiscale a accepté de ramener à 30 millions. Tom C.